Rose, c'est parti. Non, je veux pas y aller. Mais comment ça, tu veux pas y aller? Ta rentrée, c'est dans 30 minutes, non. Là. Il faut partir. Arrête de pleurer. Oh non, mais les amis, depuis ce matin, elle arrête pas de pleurer. Là, on a dû la réveiller de force parce qu'elle voulait pas se réveiller. Évidemment, hier soir, elle s'est couchée à 3h du matin. C'est une catastrophe. Et là, depuis qu'elle est réveillée, elle pleure. Elle a même pas voulu prendre son petit déjeuner. Mais allez. Je veux pas aller à l'école. J'en ai marre. Ça va être trop nul et tout. On va m'embêter et tout. Mais non, il va y avoir des devoirs, c'est sûr. Mais non, mais justement. Mais tu vas retrouver tes amis. Non, bon, heureusement, les amis, la rentrée de Lily Rose, c'était pas ce matin. C'est cet après-midi à 14h. Donc en début d'après-midi, ça va, elle a pu dormir un petit peu quand même. Mais bon, allez, on y va. Non, je veux pas y aller. Allez, il y a Peppa Pig. Non, je veux pas y aller. Peppa Pig, elle veut pas y aller. C'est bon, elle est prête. Non, non, mais si on part, non, pas, si on part pas maintenant, si on part pas maintenant, on va être en retard, c'est sûr. Non, là, c'est dans 30 minutes. Ton école, elle est pas à côté. Je ferai ma rentrée demain. Non, c'est aujourd'hui. Non. Bon, allez, déjà, lève-toi. Bon, Peppa Pig, attends-nous dans la voiture. Toujours comme ça, Lily, le jour de la rentrée. Oui, attends-nous dans la voiture, on arrive. Bon, dépêche-toi. Déjà, montre-moi ce que t'as préparé comme affaire pour la rentrée. Ah, tu prends ce cartable-là. Mais il est tout petit, mais il y a même pas la place de... C'est quoi, ça? Bah, une trousse, un cahier. C'est quoi, ça? Bah, quoi? Ils nous ont dit qu'il faut prendre une trousse, un cahier. Donc non, mais c'est un cahier Pop-It. Et alors, c'est quand même un cahier. C'est quoi cette trousse? Non mais t'as pris les fournitures scolaires, mais pour... Mais ça, c'est... Lily Rose, on a acheté ça pour un prank. C'est pas tes vraies fournitures scolaires, Lily Rose. Mais si, c'est trop bien. Bon, les amis, pour ceux qui n'ont pas vu notre chasse aux fournitures scolaires, on avait acheté plein de fournitures scolaires ultra bizarres, comme ce stylo baguette. On avait acheté quoi? Un stylo flûte. Non mais... Tu vas pas... Non, mais ça, c'est pour m'amuser. Demain, pas aujourd'hui. C'est pas pour s'amuser. Non, mais là, c'est la pré-rentrée. Lily Rose, c'est pas pour s'amuser. Ils vont présenter les classes. T'as pris quoi d'autre? Attends. Ça, c'est quoi? Un crayon de bois. Non, mais un crayon gris. Regardez la taille, mais tu vas pas prendre ça. Bah, non, mais tu vas. Un pop-it électronique. C'est quoi ça? Une trousse. La trousse pop-it, ok. C'est trop bien. Et ça, c'est quoi déjà? Oh non. C'est la gomme en forme de pizza. Bah, Lily Rose, non, écoute, tu peux pas prendre ça. Premier jour, tu vas te retrouver dans le bureau du directeur avec toutes tes fournitures confisquées. En plus, regarde. C'est quoi ça? Incroyable. Regardez, les amis, ce qu'elle a pris, c'est quoi ça? C'est un stylo en forme de capsule. Qu'est-ce qu'il y a? Le stylo, il peut s'accrocher. Il est aimanté? Ouais. Et ça va te servir à quoi en classe, ça? Bah, aller l'accrocher à la table. Au tableau? Non, à la table. Tu veux accrocher ça à la table? Ouais. Non, mais bien sûr. Allez, bon, Lily Rose, on n'a pas de temps à perdre. Vite, enlève tout ça de ton dos. Non! Allez, enlève. Non, c'est mes affaires scolaires. Non, mais là, j'appelle Peppa Pig, c'est pas possible. Peppa Pig, reviens! Elle a fait n'importe quoi, là. Elle a caché toutes les vraies fournitures. Elle veut prendre que des fournitures pour les pranks. Oh bah tant pis, elle va aller à l'école sans ses fournitures. Ah bah non, elle ça peut lui pas. Apprendra. Non, elle non. Peut pas, c'est pas possible. Bah c'est quoi la solution? Mais regarde ce qu'elle a pris. Elle a pris. Allez. Elle a voulu prendre la gomme pizza, la trousse pop-it, elle a pris le... Mais de toute façon, ma rentrée, c'est demain, on n'a pas besoin de s'affoler. Elle a pris le crayon gris XXL. Bon, elle a besoin de stylos, d'une trousse. Bon, écoute, c'est... Non, ça, c'est son cartable de l'année dernière. Hop, Lily Rose, tu échanges, tu prends celui-là. On va prendre les deux, on n'a pas le temps. Comment ça, on prend les deux? Bah oui, Non. On changera de vie. Mais je veux pas aller à l'école, ma rentrée c'est demain, c'est bon. Allez, on arrête de discuter, tu diras ça au directeur qui nous attend là. Allez, Lily Rose, on va être en retard. C'est bon, je suis malade. Allez, comment ça t'es malade? Non, en plus on est en train de faire une vidéo, donc il va très bien voir, s'il regarde notre chaîne YouTube, que t'es pas malade. Bon allez, dans la voiture. Ferme la porte. Dans la voiture. C'est parti. Lily Rose, viens. J'ai une idée. Bon, c'est bon, Peppa Pig, il est parti. Je vais... Attends, ferme la porte, faut pas qu'il nous entende. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux encore me dire d'aller à l'école, c'est ça? Non. Je viens de penser à un truc. Bon, les amis, là, depuis le début de la vidéo, je fais semblant que je veux que Lily Rose, elle aille à l'école, que c'est important et tout. Mais moi aussi... Quand j'avais son âge, je détestais la rentrée. À chaque fois, le jour de la rentrée, je pleurais, je jetais parfois même mes fournitures scolaires à la poubelle. Enfin, je faisais tout pour pas aller à l'école. Une fois, j'ai même caché les clés de la voiture, comme ça, on n'a pas pu y aller. Du coup, tu sais ce qu'on va faire? Non. Bon, la Peppa Pig, il va nous surveiller, c'est sûr. Du coup, on y va en voiture, on va devant l'école avec lui en voiture. Ouais. Et ensuite, je lui dis que je t'accompagne dans ta classe, ok? Lui, comme ça, il va repartir. Et une fois qu'il est reparti... On va pas dans l'école, on rentre pas dans l'école. On s'enfuit et tu vois, à côté de ton école, il y a une forêt. Ouais. Et ben on va se cacher toute la journée dans la forêt. Ouais, et en plus, à côté de la forêt, il y a un petit parc d'attractions. Il y a des trucs où on peut manger des crêpes, des gaufres, des glaces. Ok, on fait ça alors. On fait allez, ça. Ouais. Mais par contre, prends ton sac. Vas-y, vide, enlève toutes les fournitures bizarres là.
On garde que les vraies fournitures. Comme ça, les amis, Peppa Pig qui va être content. Et dès qu'on sort de la voiture, on va passer une super journée, hop, dans la forêt. Bon, super journée forêt, j'espère qu'il n'y aura pas de loups et des ours, mais bon. Allez, vas-y, on prépare les fournitures et direction l'école. Ouais, c'est parti. L'école. C'est bon. On est devant l'école de Lily Rose, voilà, on va pas vous montrer, hein, voilà. Bon, j'espère que ça va aller, hein. Sinon vous allez venir, on vous connaît, vous allez venir à l'école de Lily Rose pour lui demander des dédicaces. Mais bon, bon bah du coup attends, c'est ce que j'ai dit à Lily Rose. Bon, vas-y. Pour bah voilà, pour qu'elle se sente mieux, tout ça, elle préfère que ça soit moi qui l'accompagne. Ouais. Bah tu veux pas que je t'accompagne pour ton premier jour? Mais non, elle préfère que ça soit moi, en plus je connais tous ses amis, du coup je vais l'accompagner dans sa classe. Bon, c'est bien parce que t'es en troisième et que, bon je te laisse tout seul. Ouais, ouais. Elle rentre en troisième avec moi, ok? On fait ça? Bon, dès que tu rentres, tu m'appelles, hein? Ouais, t'inquiète, on t'appelle. De toute façon, je peux pas utiliser mon téléphone, donc je vais pas t'appeler. Ouais, elle peut pas utiliser son téléphone dans l'école, donc elle pourra pas t'appeler. Bon, de toute façon, je reviens dans la voiture, t'inquiète. Non, tu peux rentrer à la maison, t'inquiète. Ouais, je rentre à pied. Bon, je regarde partir, alors. Oublie pas ton cartable, surtout. Ouais. Il est où? Oublie pas ton cartable. Allez, on y va. On se dépêche. Bon, allez. Bon, à tout à l'heure. Les amis, je vais vous montrer quand même quand on accompagne Lily Rose à l'école. Alors voilà, je vais tout filmer. Bon, allez, tu peux. Attention. Tu peux partir, t'inquiète pas. Allez. À tout à l'heure. T'inquiète pas, tu peux partir. Tout va très bien se passer. Il y aura aucun souci. C'est bon. Regardez-moi ça. Regardez où. On est arrivé dans la forêt. Regardez où nous sommes. Bon, bah, vous devez connaître. Hein, c'est la forêt. Voilà, enfin, vous devez connaître, non pas spécialement. Je pense que vous habitez pas dans la forêt. On a déjà tourné plusieurs vidéos dans cette forêt. Ouais, on est déjà vu dans cette forêt parce que c'est vraiment pas loin de l'école de Lily Rose. Et bah c'est génial, là Peppa Pig n'a rien vu. Je l'ai appelé, voilà. Je lui ai dit c'est bon, Lily Rose est bien dans sa classe, elle est contente de sa classe. Enfin bref, j'ai raconté n'importe quoi. Là je pense qu'il a rien cramé du tout. Bon, ton cartable, donne-le moi. Allez, on va pouvoir le mettre ici, là-bas, hop, on le jette, on va le laisser ici et de toute façon, bah, on est tranquille. Là, on a prévu d'aller au parc d'attractions qui est juste à côté de l'école de Lily Rose. Moi, je suis trop content. Bon, par contre, il faudra pas qu'on se fasse reconnaître parce que, parce que là, ils vont savoir s'il y a des gens de notre famille qui nous croisent alors qu'elle n'est pas à l'école, tout va se savoir. Attends, je crois que c'est Peppa Pig là-bas. Là, regarde, derrière l'arbre. Non. Attends, attends. Impossible. Qu'est-ce qu'il fait là? Et Peppa Pig? Et alors? Mais qu'est-ce que vous faites ici là? De quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vous suis depuis tout à l'heure, je m'en doutais que t'allais me faire un coup comme ça. Ah, je te fais pas confiance là. Tu m'avais dit que t'allais à l'école et avec Esteban, ça m'a paru suspect. Attends, comment ça, tu nous as suivis? Je vous ai suivi. Mais je rêve. Oh non, tu nous as suivis jusqu'ici. Ouais, mais quand je t'ai appelé, t'étais dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah après, je vous ai suivi. Non, c'est pas possible, les amis, on s'est fait avoir. Oh là 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 là, on est dans. Oh là là. Vraiment devoir aller à l'école. Allez hop, tu reprends ton sac et direction l'école. Oh non. Allez, vite. C'est pas possible. Non, mais c'est quoi ça, Lily? T'as raté ton premier jour d'école? Non, mais c'est pas bien, hein? Mais c'est pas encore raté, je peux y aller la dernière heure. Ton sac qui est ouvert. Mais non, Lily Rose, là, hop. Ça commence dans 10 minutes. Et toi, Esteban, tu l'as laissé faire. T'as laissé faire Lily Rose. Non, elle m'a amené jusque dans la forêt. Ouais. Elle m'a dit, ah, l'école, c'est par là, et je me suis retrouvé dans la forêt. Moi, j'y suis pour rien. À mon avis, c'est de ta faute, Esteban. Oh, non, c'est pas de ma faute. C'est de sa faute, Lily? Bah oui. C'est lui qui m'a proposé. Hein. Bon, non, bah, non, bah, allez, tout de suite. Okay, maintenant, je te propose d'aller à l'école. Non. C'est dans 10 minutes. Mais c'est bon, ça sert à rien. Non, mais 10 minutes. Tu as ton cartable. Je vous ai suivi depuis une demi-heure. Là, il sera trop tard. Grave, hein. Allez, il est temps de ne pas être en retard. Bon, les amis, voilà, vous l'avez compris. Bon, Lily Rose va faire je ça. Je m'en doute. Comme tout le monde. Évidemment, ne partez pas, faites votre rentrée. Allez. Ne partez pas dans la forêt ou ne cachez pas les clés de la voiture. Vraiment, faites votre rentrée, c'est parfait. Ça va bien se passer. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao.